Salut les terriens, allons faire le tour de l'actualité spatiale de la semaine. Comme d'habitude, il y a de quoi faire, mais je voulais avant ça revenir sur l'un de mes tweets de la semaine dernière à propos du dernier magazine Ciel et Espace qui venait de paraître. Ciel et Espace, eh bien c'est un partenaire du Journal de l'Espace et c'est aussi un média indépendant édité par l'Association Française d'Astronomie qui n'est donc pas à but lucratif et qui présente et analyse chaque mois l'actualité du ciel, les dernières découvertes et les grands projets spatiaux. Dans le dernier numéro que j'ai ici, vous y trouverez notamment un dossier complet sur les mondes cachés de notre galaxie, c'est-à-dire les astres qui se promènent dans la Voie lactée sans appartenir à un système stellaire en particulier et qui sont donc très difficiles à détecter. Ciel et Espace nous emmènera aussi, chose surprenante, au fond de la mer Méditerranée pour chasser les neutrinos, et si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien je vous rassure tout de suite, ça n'est pas un animal marin. On parlera aussi de la Lune avec les 50 ans de la mission Apollo 16, et bien sûr d'autres sujets que je vous laisse le plaisir de découvrir dans ce magazine vraiment parfait pour compléter le journal de l'espace et prolonger le voyage tout en gagnant toujours plus en culture spatiale. J'ai bien sûr une promo à vous proposer, et pour en profiter, rendez-vous sur le site Ciel et Espace et entrez le code promo VENUS pour avoir moins 20% sur l'abonnement au magazine papier, ou le code MERCURE pour avoir moins 30% sur l'abonnement premium, qui donne à la fois l'accès au magazine papier et au numérique, et dont vous retrouverez le détail en dessous en description. Merci Ciel et Espace pour ce partenariat avec le Journal de l'Espace, et maintenant, place à l'actu, je vous souhaite une très bonne vidéo. C'est un coup très dur qui vient d'être porté à Arianespace, qui se laisse de plus en plus distancer par son redoutable concurrent SpaceX. En quelques jours, sur fond de guerre en Ukraine et de sanctions européennes, ce sont deux mauvaises nouvelles qui sont venues s'ajouter aux difficultés rencontrées actuellement par la société Ariane Group et sa filiale Arianespace. La première est confirmée puisque OneWeb, privé de lanceurs russes Soyuz, a décidé de se passer d'Ariane 6 pour terminer sa méga constellation, et la seconde, moins officielle, tend à confirmer qu'OHB, le constructeur allemand du futur GPS Galileo, semble manœuvrer discrètement pour pousser l'Union Européenne à ne pas choisir le futur lanceur Ariane 6. Concernant OHB, selon des informations diffusées récemment dans la revue Challenges, son PDG Marco Fuchs semble faire tout son possible pour convaincre la Commission européenne de lancer les prochains satellites du futur GPS européen Galileo sur des lanceurs Falcon 9 plutôt que sur la nouvelle fusée européenne Ariane 6. La proposition du groupe allemand est la suivante: Bruxelles achèterait 3 lancements de Falcon 9 qui mettraient en orbite 2 satellites Galileo à court terme, et l'Europe s'engagerait ensuite à effectuer d'autres tirs sur RFA-1, le futur mini-lanceur de RFA, Rocket Factory Augsburg, filiale d'OHB, à partir de 2024. Ce choix serait bien évidemment malvenu au moment où la préférence européenne est mise en avant, ce qui annonce des mises au point houleuses au sein de l'Union européenne. Du côté des Britanniques de OneWeb, la mauvaise nouvelle est tombée lundi puisque l'entreprise a annoncé avoir conclu un accord avec SpaceX pour acheminer ses futurs satellites de télécommunication en orbite, ce qui met fin à une période difficile et incertaine née de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine depuis fin février. Le coup porté est très dur pour Arianespace et le constructeur de la fusée Ariane 6 qui perd de là un client très important, mais il faudra cependant attendre les détails du contrat pour évaluer les pertes financières, d'autant que SpaceX est à la fois le plus féroce des concurrents pour Arianespace, mais aussi pour la constellation OneWeb elle-même. De ce fait, on peut se demander quel est le véritable but d'Elon Musk qui, avec ce partenariat, va directement participer à l'accroissement d'un réseau satellitaire concurrent en mobilisant ses propres fusées Falcon 9. Pour rappel, l'entreprise américaine espérait encore au printemps 2020 la faillite de OneWeb pour reprendre ses droits de fréquence pour sa propre constellation Starlink. Alors SpaceX a-t-il fait une erreur stratégique? C'est mal connaître Elon Musk qui a certainement compris que OneWeb aurait tôt ou tard trouvé une solution de secours et qu'il était beaucoup plus avantageux d'engranger rapidement le paiement de plusieurs lancements pour rentabiliser au maximum sa propre constellation. Enfin stratège, le patron de SpaceX a bien compris que son concurrent ne vise pas la même clientèle, puisque Starlink s'adresse plutôt aux particuliers, alors que OneWeb est prévu essentiellement pour les entreprises et les opérateurs télécoms. Dans le détail, le premier décollage avec SpaceX est prévu en 2022, et viendra compléter les 428 satellites actuellement en orbite, soit 66% de la flotte, qui doit compter à terme 648 engins positionnés en orbite basse terrestre. Suite aux événements dramatiques en Ukraine et le retrait russe des activités spatiales européennes, l'Europe se retrouve privée de lanceurs pendant plusieurs mois, ce qui ne manquera certainement pas de provoquer des remous. On pourrait même parler de double peine pour Ariane Group, puisque l'arrêt d'Ariane 5 et le retard pris dans le développement du lanceur Ariane 6 exacerbent les tensions, ce qui profite directement à son concurrent le plus féroce, SpaceX, dont la fiabilité et la disponibilité de son lanceur Falcon 9 ne sont plus à prouver. Cette situation n'est bien évidemment pas sans rappeler les années 2000, où les USA, privés de moyens de transport vers l'ISS, avaient dû à contre-cœur se retourner vers des solutions russes.
Je vous emmène maintenant découvrir le projet Daedalus, un robot européen pour explorer les cavités souterraines de la Lune. L'Agence spatiale européenne a annoncé avoir fait appel à un groupe d'experts pour élaborer une ambitieuse mission robotisée vers la Lune qui aura pour objectif d'explorer les cavités se dissimulant sous la surface lunaire afin d'en apprendre plus sur sa structure interne. Si la surface de la Lune est sillonnée par des appareils robotiques et des hommes depuis plus de 60 ans, les souterrains de notre satellite naturel n'ont en revanche jamais été explorés, raison pour laquelle l'ESA souhaite développer deux robots, Robocrane et Daedalus, qui seraient capables d'évoluer dans les cavités formées à divers endroits du sol lunaire, avec pour objectif de recueillir des données fiables sur l'environnement des couches internes de la Lune en parallèle des missions américaines Artemis. Deux robots qui ont alors un nom en lien avec leur mission, Ukraine signifie grue en anglais, et Daedalus qui vient de Dédale, un synonyme de labyrinthe. Selon l'ESA, la croûte de la Lune s'étendrait sur environ 50 km, parsemée de cratères et de tunnels qui se sont formés lorsque notre satellite connaissait une activité géologique intense il y a plus de 3 milliards d'années. À cette époque, des flots de lave ont creusé les tunnels que l'Agence spatiale européenne souhaite aujourd'hui explorer. Ces robots sont prévus pour être passagers du futur European Large Logistics Lander 3, ou EL3, qui n'en est encore qu'au stade de projet, et où Robocrane serait chargé de déposer le rover Daedalus dans une aspérité menant au fameux tunnel. Dans un rapport publié sur son site le 25 février 2022, l'Agence spatiale européenne expose les détails de la mission, en précisant même le point d'entrée de Daedalus, le gouffre de Marius Hills, situé dans l'océan des tempêtes. Les instruments de Daedalus permettraient aux ingénieurs d'obtenir des renseignements précis sur l'histoire géologique de la Lune, ainsi que de cartographier en 3D le réseau de tunnels s'étendant au travers de la croûte lunaire, ce qui permettrait par la même occasion de repérer d'éventuels abris pour de futurs habitats. Pour l'heure, la mission de Robocrane et Daedalus reste un projet lointain, mais malgré cela, l'ESA a annoncé que les rovers pourraient décoller à bord d'une Ariane 6 pour atteindre la Lune à l'horizon 2033. Créer une gravité artificielle, ça fait longtemps qu'on en parle et un nouveau projet soutenu par la NASA progresse à pas de géant. Depuis plusieurs décennies, la présence continue d'astronautes dans l'espace a montré que le corps humain doit surmonter de multiples obstacles, et notamment la lente dégradation de ses cellules, ce qui n'est pas sans poser problème pour de futurs longs voyages dans l'espace. L'Agence spatiale américaine n'est pas fataliste et a institué, il y a quelques années, le programme NASA Innovative Advanced Concepts, ou NIAC, qui a pour but de financer et sélectionner différents projets sur de nouvelles technologies innovantes. C'est justement l'un des plus prometteurs qui a retenu notre attention puisqu'il permettrait de simuler une gravité au sein d'une station spatiale mesurant plus d'un kilomètre de diamètre grâce à sa conception inédite qui ne nécessiterait qu'un seul lancement de fusée SpaceX Falcon Heavy, puis serait mise en orbite pour se déployer et atteindre jusqu'à 150 fois sa taille. Le projet sélectionné prévoit de simuler une gravité en utilisant une structure en rotation pour créer une force centrifuge qui aurait le même effet sur le corps que la gravité naturelle que nous subissons tous sur Terre. Afin de savoir si cela résoudrait ou non l'ensemble des problèmes causés par l'absence de gravité, la NASA a débloqué une subvention de phase 2 de 600 000 $ pour une équipe de scientifiques dirigée par Jeffrey Lipton et le professeur Zachary Manchester qui a également travaillé sur le projet Breakthrough Starshot que nous vous avons présenté la semaine dernière. Il existe deux options pour atteindre la gravité terrestre, la première c'est de faire tourner une petite structure très rapidement, et la seconde c'est de faire tourner une structure plus grande sur un axe de rotation de l'ordre du kilomètre à une vitesse beaucoup plus faible, compatible avec le bien-être d'un futur équipage. Pour arriver à leur fin, les deux équipes d'universitaires ont étudié comment il était possible d'étendre une structure suffisamment petite pour tenir à l'intérieur d'une coiffe de Falcon Heavy, et grâce à de nouveaux matériaux et de nouveaux mécanismes inventés par Henry Segerman appelés les ciseaux ramifiés. En effet, il est possible avec cette astucieuse technique de déployer une très grande structure en partant d'une forme étonnamment compacte. Le budget alloué va permettre à l'équipe de continuer ses recherches, dans un premier temps de modéliser et comprendre en détail la dynamique de déploiement complexe de la structure en expansion, et dans un second temps de simuler le déploiement afin d'atténuer au mieux les blocages pouvant survenir en raison d'erreurs de fabrication ou de perturbations externes. Des prototypes seront ensuite réalisés afin de valider expérimentalement tous les mécanismes créés. Il est à noter qu'aujourd'hui, la NASA n'est pas la seule à vouloir déployer des structures spatiales de grande envergure, puisque c'est également la Chine qui finance déjà, à hauteur de 2,3 millions d'euros, le développement d'une structure d'un kilomètre de long. Ce projet est prévu pour être lancé en plusieurs fois afin d'être assemblé en orbite, mais la date et la faisabilité du projet restent encore incertaines quand on connaît le nombre de lancements et la durée qui ont été nécessaires pour assembler l'ISS. Le projet de Lipton et Manchester aura un impact immédiat sur les objectifs à plus long terme de la NASA, mais aussi à court terme puisqu'une telle structure rendrait possible une habitation humaine durable en orbite lunaire, et à moyen terme il sera vite essentiel de disposer de tels systèmes pour assurer la survie des humains dans l'espace lointain.
Enfin, un autre bénéfice technique, cette fois auquel on ne pense pas forcément, c'est la possibilité de faire progresser l'astronomie en créant de gigantesques réseaux de télescopes avec ce mécanisme de déploiement, permettant ainsi de faire reculer les limites des observations. Et c'est parti pour le traditionnel zapping du journal de l'espace. Le lanceur américain SLS est enfin prêt, et c'est après une longue attente qu'on a pu l'admirer dans son ensemble pour la première fois. C'est à Cap Canaveral le 17 mars que la gigantesque fusée de 98 mètres de haut et 2700 tonnes au décollage est enfin sortie du véhicule Assembly Building, ou VIB, grâce à une énorme plateforme motorisée appelée le Crawler, très lente puisque le trajet a duré plus de 11 heures. Bien que le SLS ait rejoint le mythique pas de tir 39B, il ne s'agit pas d'effectuer le tir réel, mais de réaliser une répétition générale avant l'essai en vol, ce qui fait que pendant les jours et semaines à venir, la NASA va connecter l'engin à tous les systèmes hydrauliques qui permettront d'en assurer la maintenance avant le décollage, et s'assurer du bon fonctionnement de tous les systèmes et instruments avant d'effectuer le remplissage de carburant et comburant. À ce moment, l'agence pourra attaquer le tout dernier test de cette série, à savoir le fameux Wet Dress Rehearsal, qui est une séquence de tests et d'entraînement pour les équipes au sol qui s'approchent autant que possible des conditions réelles. Dans un premier temps, il consiste à remplir les immenses réservoirs d'hydrogène et d'oxygène liquide, puis dans un second temps, de vérifier que tous les systèmes, et notamment les moteurs, fonctionnent comme prévu, d'où le terme wet qui signifie humide en anglais. Les ingénieurs profiteront aussi de cette opportunité pour répéter plusieurs scénarios délicats, comme la procédure en cas d'arrêt d'urgence. Le tout premier vol d'essai du SLS est prévu en mai ou juin prochain, une fois que ces derniers préparatifs seront terminés, et c'est à ce moment tant attendu qu'il s'élancera alors vers l'orbite de la Lune afin d'y transporter la fameuse capsule Orion, mais sans le moindre astronaute à bord. Pour la NASA, il s'agit d'un événement historique, puisque c'est à la fois l'une des plus importantes missions de l'année, mais aussi sans doute de la décennie en matière de conquête spatiale. Le lancement de la mission ExoMars de l'Agence spatiale européenne, prévue en septembre à bord d'un lanceur russe Proton, a été repoussé. C'est sans surprise que le conseil de l'ESA a décidé de se séparer de son partenaire russe et d'engager une étude pour trouver des alternatives. Dmitri Rogozin, le chef de l'Agence spatiale russe Roscosmos, a déclaré regretter cette décision et souligna avec un certain aplomb que la Russie pourrait effectuer seule cette mission d'ici quelques années. La date de lancement est donc repoussée encore une fois, et ExoMars, nouvelle version, pourrait décoller seulement à partir de 2026, voire 2028. En effet, il est peu probable que Thales Alenia Space, maître d'œuvre du programme, et ses partenaires industriels dont Airbus, soient en mesure de remplacer les équipements russes, dont la plateforme d'atterrissage et le logiciel de vol, en seulement moins de 2 ans. Lors du prochain conseil, d'ici 4 à 5 semaines, l'Agence spatiale européenne devrait donc préciser ses souhaits et les alternatives possibles. Quant aux autres missions qui devaient être lancées par un Soyouz russe, elles sont toutes suspendues. Il s'agit ici de 2 satellites destinés à la constellation européenne de localisation Galileo, du télescope spatial Euclide et de la mission européo-japonaise d'observation de la Terre, EarthCare. Déjà bien en retard sur les prévisions, le Starship voit un nouveau délai se profiler à l'horizon. En effet, Elon Musk a annoncé dans un tweet que SpaceX se concentrerait davantage sur la cybersécurité pendant quelques temps, compte tenu du contexte de guerre en Ukraine, tout en prévenant que cela ralentirait le planning de la constellation Starlink, ainsi que le développement du Starship. Pour l'instant, SpaceX déclare être prêt à réaliser le premier vol orbital au mois de mai, mais en dehors des aspects techniques, la tour d'assemblage n'est même pas homologuée, et il faut avouer qu'Elon Musk a pris plusieurs fois de vitesse les autorités, en s'installant à Boca Chica, au Texas, au bord de la mer et de la frontière mexicaine. Aujourd'hui, la FAA, qui est l'autorité gouvernementale habilitée à délivrer les autorisations de vol, n'a pas encore donné son feu vert pour le vol orbital, et on peut penser qu'elle n'a toujours pas digéré l'attitude de SpaceX en décembre 2020 qui a sciemment ignoré ses avertissements lors du tir SN8, tout en sortant du cadre de sa licence de lancement. D'autres problèmes avaient braqué les projecteurs sur Boca Chica, comme une trop forte proximité du personnel pendant les tests, des nuisances sonores faisant fuir les habitants des environs, des débris qui retombent à des endroits indésirables quand un test échoue, et tout ça sans parler des effets sur l'environnement et la faune locale. Depuis, la FAA a décidé de se montrer plus minutieuse dans les procédures et de passer au peigne fin toutes les conséquences des activités de SpaceX à Boca Chica, pendant qu'Elon Musk s'est, comme à son habitude, lancé dans une avalanche de critiques verbales sur Twitter à l'encontre de l'administration. Devant ce climat de défiance, Elon Musk, bien que très réticent, a déjà prévu le pire, et en cas de refus de la FAA, un déménagement au Kennedy Space Center en Floride est déjà prévu, avec la construction d'une nouvelle tour de lancement qui a déjà démarré, et dont on reparlera mardi prochain dans le journal de la Starbase. Bien que le choix du pas de tir ait déjà été fait, il faudra entre 6 à 8 mois pour l'adapter au Starship, ce qui rendrait difficile, voire même presque impossible, un vol orbital du Starship cette année. Il reste donc à espérer que le rapport de la FAA soit positif à Boca Chica si l'on veut voir voler ce monstre d'acier rapidement.
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et avant de partir, on n'oublie pas le pouce bleu. J'en profite aussi pour remercier Ciel et Espace pour son partenariat avec le Journal de l'Espace, et pour profiter de la promo à l'inscription au magazine, c'est dans la description de la vidéo que ça se passe. Quant à nous, on se retrouve mardi pour le prochain Journal de la Starbase. D'ici là, surtout prenez bien soin de vous. Salut les terriens.